premier essai, on a essai sur 106. L'année prochaine, nous allons poursuivre l'évaluation. Nous sommes vraiment très 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 heureux de ce que nous avons entendu ici ce matin, à savoir que la technique donc de l'hybridation est maîtrisée, la technique du surgreffage est maîtrisée. Je vous rappelle que l'anacardie a été introduite en tant qu'arbre écologique en Côte d'Ivoire et chemin faisant, nous avons donc basculé à l'économie. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de plantations qui ne sont pas, j'allais dire, en termes économiques rentables. Et les recherches menées ici nous permettent de transformer ces vieux arbres, ces arbres qui sont devenus, j'allais dire, improductifs, en arbres productifs. Et c'est extrêmement intéressant pour la Côte d'Ivoire de ne pas continuer d'augmenter la superficie, mais de passer à la phase donc, de rendement où, sur un espace donné, au lieu de récolter 524 kg comme la moyenne nationale jusqu'à ces dernières années, nous allons passer à 1000 kg, voire 1500 kg. Et les 2000 kilos sont à notre portée grâce à ce qui est fait ici sur cette station, puisque je vous rappelle qu'ils nous ont montré des arbres qui sont susceptibles de produire entre 30 et 52 kilos. Quand vous prenez 30 kilos par arbre, multiplié par 100, ça vous fait 3 tonnes. Et 50 kilos, ça fait 5 tonnes. Voyez-vous, donc ça c'est en station. Maintenant, en milieu rural, nous pouvons espérer atteindre les 2000 tonnes. Donc en laissant une marge encore à la science de continuer de progresser. Deux aspects. Le premier aspect, c'est la recherche sur les variétés. C'est-à-dire quelles variétés proposer aux producteurs. C'est dans ce cadre que nous sommes sur cette parcelle. Il y a un ensemble d'arbres producteurs qui ont été identifiés à travers le pays. Ils sont au nombre de 24 qui ont été mis ici et qui sont de très grands arbres producteurs avec des rendements élevés. Donc à partir de là, il faut trouver des variétés qui seront diffusées au niveau des producteurs. Le deuxième volet, c'est-à-dire, il ne suffit pas de trouver des variétés. Comme le chercheur l'a dit, nous avons des champs de vergers actuellement très peu productifs. Les arbres sont très vieillissants. Comment faire pour que ces arbres-là reverdissent, deviennent des trains produits sans créer de nouveaux champs? Si vous avez un vieux champ qui existe déjà, on fait le surgreffage dessus. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? On coupe votre arbre. À certaines hauteurs, ils ont même déjà défini des hauteurs de coupe des anciens arbres. Et là, quand il y a les jeunes pousses, on greffe ce qu'on appelle les arbres aux producteurs. On prend des griffons ici et on greffe dessus. Et si on fait sur votre champ, tous vos champs comme ça, en 3 ans, vous avez de nouveaux champs avec d'autres performances, des performances meilleures. Qui font la réhabilitation, ça fait cela. Si ils acceptent toujours de venir nous aider, du coup, au niveau des branches qui descendent, les branches qui sont en bas, là, on a choisi tout ça. Donc, pour une couronne. Voilà. Un pied coûte 750 francs. Nous, on va vous apporter combien? 450. On apporte 450. La différence, vous payez. Merci beaucoup. Voilà. Si vous ne payez rien, vous allez prendre, vous allez venir déposer, ça va mourir. Ah, c'est vrai. Voilà. Ah, c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup. Ok. Sa production commençait à baisser. Donc, on a fait la réhabilitation pour permettre à la plantation d'augmenter sa production. Donc, il s'agit simplement de couper les arbres qui ne produisent pas. Les arbres qui sont malades, les arbres qui ne sont pas situés à la bonne distance, c'est-à-dire qui ne restent pas les 10 mètres. Et puis de couper aussi les arbres qui produisent les noix, les petites noix. Donc il s'agit simplement de venir marquer ces arbres-là. On vient les abattre, on fait l'écorçage, le feuillage et puis on fait la taille. La taille, c'est tout simplement au niveau de l'arbre, il y a une branche au milieu là qui monte.
Donc c'est cette branche-là qu'il faut couper, la branche autotrope. Donc quand on finit de couper cette branche-là, on a le soleil et l'air qui peut pénétrer maintenant pour augmenter la production. Effectivement, nos champs ont été réhabilités par l'ANADER l'année passée. On a au total 4 hectares. Nous sommes venus réhabiliter une seule hectare. Et la production de cette année par rapport à les autres années était tellement différente. Bah, les autres années, on récoltait au moins 8 sacs de noix de cajou. Mais à cette année, on a pu récolter qu'en 13 sacs. Donc, en tout cas, le travail qu'ils ont fait, en tout cas, je les remercie. Et je remercie le gouvernement aussi qui n'a qu'à aider les paysans aussi comme ça, dans ces mêmes allures-là. En tout cas, félicitations à ANADER et félicitations au ministre, surtout le président de la République. On lui doit des remerciements. En tout cas, le travail était bien fait.